commencé à 5 ans. En fait, mon frère, lui, a commencé un peu avant moi. Et en le voyant dans l'eau, mes parents ils m'ont dit bah, « Tiens, on va faire pareil ». Et du coup, on a pris le rythme de famille à tout le temps surfer, tous les week-ends, tous les mercredis après-midi. Et après, dès que j'avais du temps libre, j'allais dans l'eau et je me suis retrouvé au Pôle Espoir en seconde. Quoi. Dans n'importe quelles conditions, je vais aller dans l'eau parce que j'ai envie de surfer et que ça va me faire du bien. Et le fait de surfer le plus de conditions possible, dans toutes circonstances, ça m'a fait progresser. D'avoir une motivation de fou sur les compétitions, même les défaites, à chaque fois, tu as envie d'aller gagner les adversaires. Du coup, tu retournes dans l'eau les fois d'après. Et je pense que c'est cette motivation qui m'a poussé à m'entraîner et à avoir le niveau que j'ai actuellement. Après, on est très fiers parce que c'est un petit peu aussi le travail de toute, on va dire, toute notre structure un petit peu surf ici dans le 17, aussi bien le monde du scolaire qu'après nos clubs, que les moniteurs, que nous après au niveau du comité départemental. Et c'est un peu l'aboutissement de tous ces sportifs et de tout ce travail, de voir un de nos jeunes pouvoir accéder à ces structures de haut niveau. Donc par ce biais et par son biais, il ouvre la voie aux prochaines générations. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour l'espoir, on y rentre souvent en seconde pour faire tout le cursus du lycée. Donc c'est sur dossier, c'est des sections quand même un peu plus dures. Donc on est beaucoup de candidats. Et on y a 8 surfeurs, 8 bodyboarders au total à la fin. Et donc dans la semaine, on a 3 entraînements de surf. Trois bons entraînements de surf avec 2 préparations physiques aussi. Donc le lundi soir et le mercredi soir, on fait préparation physique et mentale. Et donc les semaines sont bien chargées. Et entre temps, on a le lycée normal avec tout le monde où on doit être présent à tous les cours, toute l'année. Les JO, ça serait franchement le rêve de pouvoir y accéder. Après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, de très bons surfeurs aussi. Donc ça serait un rêve, ouais. Ce serait bien.